Chers téléspectateurs, bonsoir. Je suis Edouard Laventure Ernest Moloscott. Aujourd'hui, c'est bien le 17 septembre 2019. Sur la table de contrôle, c'est bien Juan Gonzalez. Il est assisté par notre collaborateur Abner Gelin, dit Abner G. Gagnez en pile informations, surtout à l'échelle internationale, spécialement des informations en provenance des États-Unis d'Amérique, avec le président américain, M. Donald Trump. Sa factualité, c'est que le président américain, M. Donald Trump, face à incident qui produit dans l'Arabie Saoudite, là, vient fait que le président américain a décidé de commencer à menacer le pays Iran. Il dit que si on a retrouvé que ce pays Iran, qui est responsable, action qui fait la, action du drone, non, eh bien, Iran va le frapper très, très, très dur. De côté pays Iran, il y a annoncé, si président américain, M. Donald Trump, t'as osé faire un minimum d'attaque sur pays Iran, frappement que pays Iran va le faire à l'égard États-Unis, la triste. Et le monde gagne en pile bagaille qui a perdu. Président saoudien, oua, monsieur ça a déclaré que ils font gros perte. On perd de 20 à 25% de ça qu'ils ont gagné dans le golfe là et dans le site pétrolier qu'ils ont gagné. Ils ont dit qu'ils n'ont pas atteint à ça que fait là. Il te mette en pile surveillance, en pile gros âme, mais monsieur frappé avec des drones, eh bien, qui aggrave ce site-là. Il te posé des questions aujourd'hui, est-ce que pral gagne raté de gaz dans le monde-là? Eh bien, monsieur Saoudi a dit, gué possibilité. Pendant ce temps, autorité américaine a dit, pour eux-mêmes, ils préparer. Yo pas quoi que yo pral gon raté de gaz j'en vle a. Mais yo pas ka livrel j'en que tout moun vle li a. Mais c'est comme ça. Pays qui te déjà gen contrat yo, y a respecté yo. Mais après 6 mois, yo capable vin senti ratement de pétrole là. Est-ce que pétrole là, est-ce que la monté? Yo dit bon, li avec 60 dollars baril, y a arrangé yo pour y aurait ça qui arrivé. De côté notre petit pays sous-développé yo, y a pas même besoin de parler sur ça parce que pays ça a gagné des contrats de 6 à 1 an, et bien bah ça va pas déranger parce que gon réserve qui a utilisé. De côté tant pour pays d'Haïti, un pour exemple. Haïti dans moment ça gon ratement de gaz. C'est jeudi, il y a un bateau de gaz qui rentre et qui dit que le bateau gaz là valable pour 2 semaines simplement. Et après ces 2 semaines, pas de monde qui prend le compte ça qui va le passer. Nous avons une information internationale. Dans le moment, le président américain, M. Donald Trump, il dit que ça crive à son gros frappement. Et il demandait à l'armée américaine. Mais pour qui ça que moi t'ai posé question, nous t'ai dit que nous t'ai besoin d'une armée dans l'espace. L'armée dans l'espace là, ça permet que même si on l'autre pays t'a décidé de frapper, mais dans le moment ça, n'a pas gagné des militaires qui ont même cap travail presque 24 sur 24 dans l'espace et ça prend le accès. Les ont éléments viennent font frappement avec drone comme ça. Nous qu'accraser à la seconde. Moi demander à tout l'autre pays qui voulait, eh bien nous-mêmes, nous avons arrangé nous pour nous signer un accord pour nous capables de gagner l'armée dans l'espace. Le président américain, M. Donald Trump, lui dit que l'a pral rencontré avec parlementaires, sénat et députés pour signer un gros accord pour que l'armée dans l'espace là pour le ratifier.
il dit que dès que le ratifié, il n'y a pas de problème. Et il dit que il tendait que le pays la Russie dit le pape accepté. Il dit que ce n'est pas la Russie qui a gouverné le monde. Le président Donald Trump dit lui-même, il a contrôle le monde là. Et si le président Vladimir Poutine n'a pas accepté, eh bien, il y a un conflit entre les États-Unis et le pays la Russie. Gagner la France qui annonçait lui-même l'a signé pour accord ça à tout. C'est comme ça, gagner plusieurs autres pays qui disent qu'il a apporté dans l'accord là. Donc l'Italie, l'Angleterre, yo même, yo connaît, si on entre dans l'accord ça là, bon, mais yo pas voulu quitter, simplement les États-Unis prend force là, prend support là. C'est pour nous rappeler à auditeurs que pétrole ça qui explosé à États-Unis dit pas attendre que ça et pays Iran dit que États-Unis décidait annoncer qu'il y a mettre un embargo sur lui. Pays Iran annoncé d'avoir que États-Unis dit la mettre en bagou, hein? Drôle nous-mêmes de côté pas nous, c'est bataille pour empêcher que les États-Unis fonctionnent. Pendant ce temps, le président Corée du Nord, Kim Jong-un, Pyongyang 2, dit que la mettait avec pays Iran pour empêcher que les États-Unis prennent contrôle. Pétrole là. Yémen annoncé, tout autant que États-Unis, pas baissé bas, yo même, y a continué faire des ordres dans le coin Moyen-Orient. Gen yon nan pays qui nan négociation qu'on y a avec les États-Unis, c'est Taïwan. Pays Taïwan décidé, chita avec président américain Donald Trump, côté que rejoignent un accord, la majorité armes de guerre et autres que pays Taïwan besoin acheter, qu'on y a ces millions, c'est nommé les États-Unis l'a acheté là. Taïwan déclaré, même le tout le monde a parlé, les gagnants de bonnes et très très bonnes relations avec pays les États-Unis dans le moment actuel là. En pile d'autres pays dit que son coup traite, mais Taïwan dit que le besoin support président américain monsieur Donald Trump. Et Donald Trump déclarait pour qui ça que l'acceptait pour que l'Ivan Taïwan Zam, c'est parce que la Chine a arrangé pour l'entrée en bas Taïwan. S'il quittait que la Chine entrait en bataille comme ça, la palon coup traite, président américain dit pas problème. Map vend nous zam sa yo, avion de guerre sa yo à vil prix pour que relation nous en capable continuer. Mais de côté les pays Iran, Iran dit le pape quitter sa fête. Et ça son gros dossier que n'a pas suivre et nous promettre à auditeurs et téléspectateurs yo n'a pas informer nous sur ça. En pour République Dominicaine. La République Dominicaine a travaillé là pour que pour le tapre contrôle Haïti. Économiquement, autorité République Dominicaine nous dit que yo fait Haïti fin pile crop. Et fois ça, si Nations Unies tabayo accès pour occuper Haïti, yo dit que yo gen possibilité pour yo capable bay haïtien manger matériel fait yo vivre bien. En pile haïtien protesté de déclaration dominicain yo. Dominique yo dit que il y a assez de matériel
pour occuper et contrôler Haïti. Yo dit que dans déclaration faite dans télévision en République dominicaine que Haïti son pays nan moins de 24 heures de temps y a capable de contrôler Haïti. Yo dit que yo gen accès yo wè que autorité haïtienne yo pa campé sur rien. Ça c'est déclaration des autorités dominicaines bay. Yo dit que assez de zam yo gen assez support international là Haïti longtemps Haïti te travaille côté que avec Roche Lambi eh bien autorité dominicaine a annoncé que Lambi Roche pas la mode encore. Yo dit que monde la vie modernisé yo même yo gen accès pour que dès que Nations Unies dans dernière réunion que yo pral gen pour faire là dès que t'a eu accès ça eh bien yo même y a montré Nations Unies que yo gen possibilité a yo même dit yo gen contrôle frontière nou yo gen contrôle autorité haïtien yo gen contrôle gens de vie haïtien yo et yo dit yo gen accès pour bay haïtien manger. C'est pour nous dire que République dominicaine y a travaillé son projet là pour y voir comment que Nations Unies t'a répondre à appel pour t'a remettre yo Haïti. Et dans point ça, yo dit que yo connaît de bonnes sources que autorité américain yo t'a bien content que c'est eux-mêmes qui peut t'a occuper l'île là. Yo pas besoin séparer l'île. Yo même seul capable de gestion l'île là et le ça yo dit qu'il y a des principes qui établi et qui ca mettre Haïti sous contrôle et c'est pour cela n'a pas dit à autorité haïtien yo capitaine de nous là que la République dominicaine yo gen en tête yo pour occuper Haïti pendant que nous n'a fait des déclarations dit que Haïti pas ni pour vendre ni pour acheter dominicain a déclaré que qui ça Haïti gagne pour vendre, qui ça gagne pour acheter à la. Haïti son pays qui finit. Pour yo même, yo dit que yo ka rétabli, mette Haïti nan point que le vle a. Simplement, yo simplement attend yon mot de Nations Unies et de président américain, M. Donald Trump, et puis yo capable de décider. Ces déclarations, plusieurs autorités dominicaines font. Ça veut dire que nous dans même contexte côté que youn nan pays qui lui-même qui Bahamas dans moment ça Bahamas son pays li pas besoin bémian pas besoin visa pour l'entrée aux États-Unis là après cyclone là il y a arrangé pour y ouais c'était capable je nous entente dans Bahamas et au capable que Amérique a déjà demandé que le tar aimé prend une partie de 50% pour le développement Bahamas. Il y a un projet là, dans le moment où il y a pas le travail sur le développement Bahamas, pour y avoir qui ça a fait sur Haïti. Seul ça que nous-mêmes avons dit, nous espérons que j'en travaille la fête sous Bahamas que nous avons un cyclone d'Orient li frappé Bahamas et qu'on y a travail sous la reconstruction de Bahamas et que y a plusieurs autres pays qui voulaient prendre part de reconstruction Bahamas pendant ce pendant même moment tout nous pas espérer après tremblement de terre qui passait en Haïti ya. Et que t'a gagné on l'autre cyclone qui tout profité passé sous zone Haïti ya, et puis yo pral prendre tous les deux pays sa yo mette yo dans même plate Haïti cyclone Dorian et pour l'autre cyclone passé en Haïti là et puis yo prend tous les deux et puis yo font projet avec tous les deux pays sa yo et puis là yo capable prendre la République dominicaine à l'aider
pour reconstruction Haïti a, et puis soldats dominicains tout quitté dans pays d'Haïti et puis américains secondé payé et puis arrangé et puis l'armée dominicaine continue petit petit et puis yo renforcé et puis tout là. Alors son parti dans projet qui gagne pour Haïti. Jean que nous dit pour Bahamas n'a pas rappelé à auditeur que son gros dossier et nous mandé nous prendre note parce que dans jou k'ap vini yo nous capable tomber dans un cyclone gen possibilité un cyclone programmé sur Haïti. Nous mandé à auditeurs et téléspectateurs yo nous sur les grands dossiers d'actualité et le président américain M. Donald Trump la peut suivre mais gen pile d'autres possibilités nous mandé nous pas simplement prier dit que nous prier pour haïtien Bahamas yo on prier pour haïtien qui au même qui en Haïti yo et que nous espérer nous pas prendre un deuxième cyclone programmé sur Haïti non pas c'est Edouard l'aventure Ernest Molos Scott nous mandé nous rester là nous pour retourner avec information locale nous en Haïti nous pensons que l'important pour auditeur rester branché n'a pas venir avec plus information pour yo non pas c'est Edouard l'aventure Ernest Molos Scott sur la table de contrôle Juan Gonzalez assisté par notre collaborateur Abner Jelin Diabnechi. À tout à l'heure.